Aujourd'hui, on déguste une nouvelle sorte de KitKat. Qu'on n'a pas au Canada. En tout cas, pas encore. Pas encore. Pas ce qu'on sache. À vous de nous dire si oui. Ça existe ou pas. C'est inspiré des biscuits aux pépites de chocolat. Ça a pris du temps avant que je fasse la traduction dans ma tête. On a vu également une autre sorte là, à l'orange. Ah oui, ça venait d'Australie. C'est chocolat noir et orange. Orange de Sally. Donc, ça va être probablement le prochain si on les voit. Si on les retrouve. J'espère. Les emballages ici sont tous très épais. Et difficiles à ouvrir. Plus efficace qu'au Canada, tu vois. Les factures aussi, c'est très épais. Donc on va goûter en direct et donner nos impressions sur ce merveilleux chocolat. Ah oui, il est bleu. Il a l'air dur. Merci. Un goûtant. Je veux que ça lit. On goûte le biscuit. Je pense que le KitKat original est meilleur. Ouais. Je pense aussi. C'est pas grave. Mmh. On va se manger pareil. On a une nouvelle sorte de KitKat à essayer. Oui. Chocolat noir à l'orange du sud de l'Australie. Un morceau pour toi et ça sent vraiment l'orange. Oui. Deux morceaux pour moi. Ça fait plus commande. Mais non. Oh! Je l'ai mal coupé. Oui, ça y tient. Poisson qui goûte moins que ça sent. Non. Non. Ça goûte l'orange, je trouve que ça goûte le lint à l'orange. Ouais. Excellent. Ouais. Meilleur que ce biscuit. Meilleur que ce biscuit, ça goûte plus. Ouais. Mmh. On va en racheter celui-là. Ouais. Mmh. Voilà. C'est comme un petit vélo. Ça, c'est le meilleur chocolat de Nouvelle-Zélande. Même si on n'a pas goûté tous les chocolats. C'est le Poké. C'est la sorte. Ah, non, mais que les Néo-Zélandais ils trippent à fond là, sur ce nom. Il y a même une crème glacée. Ouais. On va voir l'acier elle aussi. Ouais. Ah oui. Alors aujourd'hui, on va goûter une KitKat chocolat noir avec framboise. Une nouvelle sorte. C'est notre troisième conteste. Troisième sorte. Il y en a une autre qui s'en vient. À suivre. À suivre. Et déjà acheté. Oui. Alors. Ah, oui, je vais t'en donner. Tiens. Tiens. Ah bon? Mais ça goûte un peu. Mais pas beaucoup. Les gaufrettes roses. Ah oui, effectivement. Mais avec du chocolat. Ah. Une gaufrette rose et chocolat. Mmh. Mmh. Elle est bonne. Est-ce que je préfère orange ou framboise? Ça, je sais pas. Moi, je pense que je préfère framboise. Mais tu dis que ça goûte pas une framboise. Mais pas beaucoup. Hello. Dernier test de KitKat. On a ici chocolat noir avec de la menthe tasmanienne. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de différent de la menthe normale. On va découvrir en dégustant le KitKat au travers de la menthe d'oiseau. Oui. Et il y a beaucoup d'oiseaux qui chient dans le shelter. Mm-hmm.
Santé. Ça goûte ben. La menthe. Ouais. Avec une Kit Kat. Et bon. Bonne. J'aime le chocolat à la menthe. Ouais. Donc c'est sûr que c'était gagnant. Ouais. Mais je pense que mon préféré, c'était aux framboises. Mais moi aussi, framboise. Puis après. Celle-là, puis orange. Orange en troisième? Ouais. Ah ouais? Ouais. Non, je peux pas le dire. C'est trop bon. Ah. Une Kit Kat. Ça reste une Kit Kat. Plus spéciale. En fait, non. C'est ça. Ciao. Bonjour. Bon. On va se le dire. On mange beaucoup trop de chocolat. Ouais. En ce moment, on a trois sortes. Le gingerbread. Biscuit gingembre. Ensuite, on a le berry and biscuit. Chocolat au lait. Lait avec des morceaux de fraises et framboises et cerises à l'intérieur. Ouais. Et je pense des morceaux de chocolat aussi. Ouais. Et une autre sorte de Kit Kat qu'on a trouvé hier. Hier. Triple chocolat. Triple chocolat. Je veux pas qu'on fasse de dégustation dans cette vidéo. Okay. Peut-être la culture. Non, ce que je veux dire, c'est que maintenant on est en sevrage de chocolat. Oui. Parce qu'on mange beaucoup trop de chocolat. Puis là, ben, je grossis. À cause du chocolat. Je pense qu'on mange nos émotions. On a beaucoup d'émotions. C'est difficile. Surtout aujourd'hui avec les voitures. Avec les voitures et le vent de face côté. Là, ben, on a bien hâte de goûter les nouvelles sortes. Mais après, on arrête. C'est fini. Fini, chocolat. Jusqu'à temps qu'on en trouve une nouvelle. Maintenant, on va essayer la Kit Kat. On fait le goût avec ça. Ça se coupe un peu. Ok. Ah non, celui-là, il est plus gros, ça. Il goûte beaucoup le chocolat. C'est pas le chocolat, c'est ça. Ouais. Le petit biscuit en main est au chocolat. Ben, c'est pas mon préféré. Ça reste framboise et menthe. Ouais. Ben, un lui à la framboise et l'autre à la menthe. À l'orange, celui-là, puis le dernier. Mm-hmm. Ouais. Ouais, lui, il est bon, quand même. Bon. Meilleur que le premier. Quand on a bien envie de chocolat, ça fait la job. Ouais. Alors, on est en sevrage de chocolat. Ça fait une journée. Ça fait une journée. Non. C'est quand la dernière fois? C'est quand on a fini le chocolat? On a fini le chocolat chez notre hôte à Wellington. La veille. Non. Pas la veille de partir, mais la journée d'avant. Et ça fait deux jours? Deux jours. Trois jours. Trois jours? Oh, hier, on n'avait pas de chocolat. Non, hier, on n'avait pas de chocolat. Mais avant hier, on avait des biscuits orange chocolat. Oui, et on a mangé aussi des Hokey Pokey fait maison. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Il y avait du chocolat dessus. Ah, c'est vrai. C'est sûr. Donc, ça fait en fait deux jours finalement qu'on n'a pas mangé de chocolat parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas mangé. Non, hier non. Hier non. C'est difficile. C'est difficile quand on est habitué de manger du chocolat, mais bon. Oui, on prenait trois barres par semaine. Beaucoup trop. C'est pour ça qu'on des a... Des grosses barres, tu sais, des grosses barres. Oui, en plus. Des grosses quatre. Ouais. Oh, c'est triste. Ciao! Ciao!